Et bonsoir. Allez, on se retrouve pour troisième session sur Mutant Year Zero. Je vous mets le jeu. Bienvenue à ceux qui arrivent, hein. Je vois que vous êtes déjà trois. Le live n'a même pas commencé. Voilà, normalement le jeu est capturé. Je vérifie, ça a l'air bon. T'es ok, on y va. J'aurais profité après le live de vite vendre les armes, récupérer les matériaux, acheter ce qu'il fallait, acheter des trousses de soins, équiper les personnages. Voilà, on peut directement partir. Et on va pouvoir tester le nouveau personnage qu'on a recruté. Voilà, donc on avait été jusque là-bas pour aller chercher Magnus. Maintenant, il faut descendre vers le bas pour aller secourir Amond. On est dans les bons levels. On peut prendre les personnages que par trois. Bonsoir, Rollom. Jouer à Until Dawn, je l'ai déjà fait par le passé, mais si je le retrouve à pas cher, oui, pourquoi pas, je le referai. Voilà, et on est profité aussi pour améliorer les armes. Bah oui, je sais qu'il est payant l'homme. Voilà, le problème c'est qu'il faut que je le trouve, que je le trouve à bon marché sur PS4, qu'il faut que je l'achète et vice versa. On va aller tuer le boss qu'on avait laissé derrière, on a le level pour le tuer maintenant. Ah, le jeu que je joue. Ouais, précise, parce que bon, c'est pas facile de déchiffrer tes... Quand tu fais des demi-phrases, moi j'interprète, hein. Le jeu que je joue, oui, bah il était gratuit. Il était gratuit, tu l'as raté de peu. C'était le jeu gratuit de l'Epic Store. Il était gratuit jusqu'à avant-hier, maintenant faut le payer. C'est un jeu récent, il est sorti en... Oui, sorti... ouais, ça date de sortie 2018. C'est un aventure action tour par tour où les deux héros sont un homme canard et un homme sanglier. Ça se passe dans un monde post-apo. On essaie de survivre comme on peut.
apparemment il existerait un Éden qui serait une terre promise et on la cherche justement. Là pour l'instant on a notre dans le scénario dans le scénario pour l'instant c'est une histoire d'enlèvement. Il faut récupérer notre expert qui a des connaissances dans l'irrigation parce que notre pompe à eau est en panne et si on a plus d'eau on va tous mourir quoi. Voilà. Là on est en phase là on est en phase exploration mais sinon il y a du combat comme dans un XCOM. Bah d'ailleurs on va combattre ici, on peut passer en mode discrétion pour tendre notre embuscade. Ah niveau 55, d'accord. Niveau 55 tous les deux. Ok, on se barre. Je pensais qu'ils étaient level 25, moi. C'est pour ça que je me suis dit, maintenant que je suis level 25, je vais aller les affronter. Ben non, ils sont 55. J'ai fait Far Cry New Dawn qui m'a déçu. Non, les Far Cry 4 et 5, c'est pas à l'ordre du jour. J'en ai un peu marre des Far Cry et de leur mécanique qui ne change pas depuis 4-5 jeux. Surtout que je les ai tous faits avant de devenir streamer. Et ils m'avaient pas laissé un bon souvenir. Donc non, je ne les referai pas. Until Dawn, oui, pour ma spéciale Quantic Dreams, oui, je les referai. Je referai certains Quantic Dreams. Si j'arrive à trouver des 3 Become Human Until Dawn, oui, je les referai volontairement. Until Dawn, je l'avais fait sur la PS4 de mon frère, mais je l'ai pas fait sur ma PS4 à moi. Et je pense que oui, ça peut être une bonne idée de le faire et d'intégrer ce jeu à son. Et que j'intègre le jeu à mon truc, ouais, effectivement. Ah, j'ai oublié plein de trucs ici. Les humains aussi ne sont pas que des humains dans le jeu. J'ai un humain dans le groupe, mais ce sont des mutants genre X-Men. Eux, ils ont leur capacité d'animaux, d'eux que c'est Bornin, mais Magnus, lui, c'est un télépathe. Et la fille, elle contrôle la nature. Ils ont chacun leur. Il reste un personnage à recruter. Il y a un groupe de 5. Il y a un groupe de 5, groupe de 5, et le dernier personnage, c'est un homme renard. Le cochon, c'est un peu le tank du groupe. Le canard, c'est un petit peu le sniper du groupe. Et Magnus, lui, c'est plutôt la furtivité. Le cochon, il sait faire une charge de sanglier. Il s'est chargé, défoncer des murs quand c'est les combats. Il peut aussi assommer les gens. Il a un shotgun. En plus, tu peux leur équiper, tu peux leur mettre le, bah, leur tenue change. Hein, tu changes ce que tu veux. Voilà, t'as leurs armes, leur tenue ici. Canard, il a une arbalète. Sauf qu'ils arrêtent pas de se crêper le chignon, eux deux, ils arrêtent pas de se disputer pour un oui ou pour un non. Parce que le canard, il est un petit peu grognon sur les bords et ça énerve le cochon. Le canard, lui, voudrait rentrer à la base et rien foutre, tandis que le cochon, c'est un petit peu le héros qui veut tout le temps sauver tout le monde. Ah, il fait jour maintenant. C'est une zone qu'on n'a pas explorée, donc on va fouiller. Parce que oui, il y a un système de marchands, on peut trouver des armes, des ressources, de la ferraille.
Ouais, Far Cry 4, j'ai bien aimé, c'était chouette de tout faire, de... Mais certaines missions me cassaient les couilles, mais j'ai trouvé que le jeu finissait, fini sur un pétard mouillé, quoi. Donc c'était inintéressant au final. Petit instant, je vérifie que tout va bien sur le stream. Ça... Température, ça en est où? C'est nickel aussi. Allez, on continue. I've heard of these before. They used to move the ancients around the world. But they got wheels. A lot of them. These things moved? Something's not right here. On va vite rentrer à la base. J'en profite que j'ai 30. J'en profite que j'ai 30 ferrailles. Comme ça, j'ai fait évoluer notre dernière arme au niveau 2. Et comme ça, c'est fait. Comme ça, on sera OP pour les prochaines opérations. Vu que de toute façon, l'arche est à 10 mètres. Donc, allons-y vite. Ça, je peux faire évoluer le pistolet à fléchette de Bornin. Parce que, ouais, les armes ont un niveau d'amélioration. D'abord, elles sont pourries, rouillées et toutes tordues. Et, par exemple, là, maintenant, j'ai réussi à transformer, par exemple, le shotgun de Bornin en vrai shotgun moderne. En vrai shotgun, enfin en vrai fusil à pompe. Parce qu'avant son fusil à pompe il tient avec des ressorts et un. Bon, allez, il faut aller obligatoirement de l'autre côté. Prendre l'ascenseur. Et rigolo, c'est qu'il a pas de pied palmé. J'arrête pas de me faire cette réflexion. Tiens, Dux, il a pas de pied palmé. Bah, peut-être parce qu'il porte des chaussures aussi. J'aime bien, il a un petit morceau de ruban adhésif sur son bec. Attention là, voilà, la démonstration en image. Là, l'armée de niveau 1. Bah là, vous voyez qu'elle a un design un peu pourri, un peu. Enfin, bon, elle a déjà un chouette design, mais vous pouvez faire ça, améliorer. Et ça change physiquement l'arme. Voilà, elle est plus propre. Elle est plus propre, plus jolie et plus puissante aussi. Voilà. Voilà, par exemple, le fusil d'assaut, c'était un vieux fusil d'assaut, il avait même pas d'alliage et tout. Et bien sûr, on peut accessoiriser les armes. Le pistolet, je l'ai remis au goût du jour. Maintenant, c'est devenu un vrai pistolet 45. Voilà. Ça, c'est un lanceur de boîte de conserve. Oui, parce qu'il y a des armes un peu what the fuck. C'est un espèce de shotgun et ça tire une boîte de conserve pressurisée en pleine gueule de l'adversaire. Ça, c'est le shotgun du cochon. En fait, chaque personnage a une arme pour l'assaut, une arme pour la discrétion, parce que le jeu. Bye. Ah, vise le 100%. Ouf, chaque fois, j'ai fait le 100% sur les Far Cry, mais ça m'a usé au fur et à mesure du temps. J'en ai eu marre au final. Donc on doit aller par le serpent de fer. Ouais, il donne des noms spéciaux au lieu parce que le cochon, enfin Dux et Bornin, donc avant de muter, c'était des animaux inférieurs, donc ils comprenaient pas ce que c'était. Genre, ils ont trouvé une radio à un moment. Pour eux, la radio, c'est une boîte parlante. Ils ne connaissent pas les technologies. Eux, ils découvrent un peu naïvement ce monde. Enfin, le monde ancien comme il était. Ils savent même pas ce que c'est une voiture, par exemple. Alors du coup, les humains qui ont muté, les animaux qui ont muté, même si Dux et Bornin sont les seuls de leur espèce apparemment, eh ben, ils essayent tous de vivre main dans la main et de survivre ensemble. Ils ont fondé une espèce de clan qui s'appelle les trackers. Et les trackers, c'est ce qu'on est, on récupère ressources matérielles, eau, nourriture, armes à feu, munitions. Ah, ils ont trouvé un TGV ici, mais ils savent même pas ce que c'est, quoi. Ils connaissent pas. Ah, this is gross. Look at this feeding frenzy. We got ourselves a zone dog problem here. Here, doggy, doggy. Très attachant aussi les héros quand ils parlent entre eux. Looks like the ghouls are having a party over there. Think they got room for us? On va bien fouiller partout. Je veux pas rater de ressources parce que ici les ressources. Les ressources, c'est symbolique de puissance, donc
Faut vraiment explorer, c'est très important. Le moindre petit recoin. Faut qu'ils disent leur lampe de poche en plein jour, c'est pas très logique ça. I did that. What do you think about that, huh? I'm gonna warn you again. Ah merde, t'as tiré avec ton pompe. Ah merde, fallait pas. Ah merde, et ma sauvegarde qui date de Shai. Ah non, ça va, le serpent de fer, 22h06. Ça va, c'était la bonne. Non, l'idée c'était de l'assommer. C'était de l'assommer, l'idée de le tuer discrètement. Et là, je me suis trompé, j'ai oublié de changer l'arme du... J'ai oublié de changer l'arme de Bourna. Résultat, il a tiré un coup de shotgun au milieu de la place. Et tout le monde l'a entendu. Parce qu'il est possible de prendre les ennemis à part et de les assommer en fait. Excusez-moi, je mettais la clim. Voilà. Sois sûr que je n'ai pas de soucis. Les ennemis, voilà, ils ont le même level que moi, mais ils sont quand même assez résistants sur les bords. Soit je ferai une petite sauvegarde avant d'arriver vers l'ennemi pour les affronter. Silly dogs. They were smaller in the old days, dumber too. We got no weapons. So a dog's tackle. Oh, I hope it's something good. Oh yeah. Go to the zone dog and tell that to his face. You want to get eaten like Skeezle, Bam Bam, and Creepo? Go for it. Yeah, yeah. Go
Voilà, maintenant les tanks ils ne pourront pas renverser Bornin, ça c'est bien. Buildings usually go up. This one's going sideways. Feels like I'm in a frickin' coffin, am I right? Looks like the ghouls are having a party over there. Think they got room for us? Voilà, comme ça on récupère tout le merdier qu'il y a dans le train, comme ça c'est fait. Ça, il commence à piquer, être plus résistant quand même. You did good. Voilà, on a pu l'éliminer sans faire de bruit. Voilà, il peut balancer la foudre lui maintenant. Voilà.
get stupid. How's that feel? Cette technique, on y va, on les assomme et après ça marche bien. Who else wants some? We grow. You ain't half bad for a newbie. Come on. Voilà, on a déjà passé 27 en tuant le, tout ça sans bruit. Yeah, prize time. Prend beaucoup de plaisir à habiller les personnages hein, parce qu'il y a quand même pas mal, on découvre quand même pas mal de skins qui sont différents et là c'est cool dans le principe quoi. Cet instant on vérifie que tout va bien de temps à autre. Ça ouais, j'espère que ça vous plaît toujours autant qu'à moi. Ah, qu'à vous qu'à moi. On va essayer de tuer le chaman d'abord.
That had to hurt. Stay away from me. Ici, il va falloir manœuvrer intelligemment. Ah, il faut qu'on concentre tous nos efforts sur le chaman. That hurt. Ouais, si on peut se permettre de faire du bruit parce qu'on va entrer dans un gros combat. Alors lui va venir nous mettre un, il va venir mettre un coup de schlasse à borne, hein, oui. Il a essayé, parce que là, il a essayé de percuter Bornin. Mais avec l'armure que porte Bornin, bah, il sent plus les coups dans la gueule, ça c'est pas mal. Thank you.
Les tanks, ils toujours essayé de les faire en dernier, j'ai l'impression. Parce que il y a quand même une sacrée. Don't get stupid. On l'a eu? Ah non, ah oh bah ouais, ça va. Les flammes l'ont tué. Et en plus, on récupère la trousse de soins et on trouve une arme. Génial. Oh, le bambino. On a déjà un bambino. C'est l'arme qu'a le. C'est l'arme qu'a Magnus. Ouais, regroupement, c'est bon, on est parti. On peut avancer. What do these freaks want? What is this weapon they were talking about back there? I've heard the same boogeyman stories you have. The Nova Sect searched the zone for the tools of the ancients. Relics of unspeakable power. This shit gives me heartburn. Do these relics happen to kill large amounts of people? Ouais, bon, on a rien oublié, on peut y aller. Apparemment. On va aller vers notre objectif, on viendra. Ah, on va aller plutôt aller par là, parce que j'aime la curiosité. On va aller voir plutôt par là, voir s'il y a du loot et tout. Et on les a gérés, et la trousse de soins qu'on a utilisée, on l'a récupérée. Voilà. Je ne sais pas si on peut avoir plus de 8 trousses de soins. Parce que là, j'avais claqué toute la ferraille pour en racheter. The Elder's gonna be chewing our ears off if we don't find some scrap to bring back to the Ark. Ah, une case. Dans une case, on peut en trouver des trucs. This is the scrapyard. Hooray, look at all that scrap. Why are we dumping junk? He wants junk. Junk? Didn't tell you? This one's a steel chariot! That one's... Another steel chariot! Well, broken steel chariot. Not of a broken really, but when they were working. Ooh-wee, watch out! Broken steel chariot. Yeah, okay. Does that hurt? Knock. Bullseye. You did good. C'est vraiment bien ce système de discrétion. J'espère que pour le prochain XCOM, qu'ils s'inspireront de ça pour. Come to me, scrap. Pour un système comme de ce genre, parce que c'est vraiment pratique. Le temps qu'en dernier, on va d'abord essayer de tuer les autres. Même principe, hein.
Celui sur le toit en premier. Ils ont entendu quand Bornin a frappé. Ouais, c'est mort. Il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les tue d'une autre manière. Je pourrais attaquer le robot infirmier aussi pour éviter que. Pour éviter qu'il nous emmerde, justement. Come to me, Scrap. Come to Big Papa. Thank you.
Sleep it off. Cleanly done. Over here. Ok, ça fait trop de bruit. C'est pratique, ça charge, mais vraiment quand il y a les gens qui sont éloignés d'un bon pied à chaque fois. Stay away from me. Again. On n'emmerdera plus leur robot, ça c'est déjà un bon point.
plus, chaque fois qu'on en tue un comme ça, on prend des levels à se faire crever. Bah là maintenant de les attaquer c'est envisageable. On peut les gérer. Il l'a poussé, il l'a poussé du haut du toit, ça c'est pas mal ça quand même. Over here, you rotting limp dicks! Keep rapping, okay boss! On nous a vu quand lui? Everyone, as good as dead. Taste the pain.
smash the feathered one! I'm gonna smash him! Oh lol, il a bloqué avec un bouclier mental. Ça. Freak! Oh yeah, gotcha! On s'en sort bien, ça peut le faire. Okay, boss. You freaking gimp. Ce combat de titan quand même.
ratable portant. I did that. What do you think about that, huh? Et voilà, on les a tous eus et on a bouffé du level. Ah, outils de soudeur. Et eux, ça, ils savent ce que c'est. We got all scrap and no crap. Let's get back to looking for Hammond. I can faintly see the letters. T O R C H. Torch. But it's a pretty crappy torch, as it's not giving as much light as my flashlight, and it's too heavy. Hammond had a similar device in his workshop. He said it was used to attach metal objects to one. Hey. Oh, I hope it's something good. Alors, c'est quoi de beau? Un fusil tire loin. Oh, puis. Ça donne envie de repasser à l'arche pour aller l'upgrader. C'est pour Dux, ça. Oh que oui, on va repasser à l'arche pour le mettre pour Dux. On va changer les accessoires aussi, on va mettre tous les accessoires de son arme sur... Vous avez vu, avec un petit peu de stratégie, les combats on les gère, hein. Le jeu est très exigeant, mais si vous vous donnez la peine, vous pouvez le faire, hein. Que du bon loot.
valait grave bien le coup d'aller par là. Allez, on retourne à l'arche, on va aller upgrader ça parce que c'est largement plus puissant. J'aurais besoin de toutes les bonnes volontés pour affronter la suite. En tout cas, Dux fera encore plus de dégâts avec cette nouvelle arme. Quoi ? Excusez-moi, le jeu est pas très stable par endroit, il a planté. Je le relance, excusez. Il me l'a fait tout à l'heure aussi quand j'étais en live. Ça arrive quelquefois quand tu changes de map ou truc ainsi. Putain, j'ai pas envie de me retaper le combat, s'il vous plaît, je l'avais. Je sais même plus si j'avais save une fois fini. Putain, la galère. J'espère qu'il y a eu l'autosave. Donc il plante, mais c'est juste un retour Windows, quoi. C'est pas comme s'il te faisait un gros plantage d'enfoiré. Est-ce que le jeu est capturé ? C'est bon. Un 3h01, le serpent de fer, ça avait save malgré tout. Je vais faire une vraie sauvegarde une fois que si je peux reprendre d'ici. Ah, ça me fait chier pour le combat, hein. On l'avait bien. J'ai pas envie de le refaire, ça me faisait chier, on l'avait bien géré. Est-ce que je vous ai remis la bonne scénette, moi? Ouais, c'est bon. Ça, tant que c'est un petit plantage de retour Windows de rien du tout, c'est rien. This is gross. Look at this feeding frenzy. We got ourselves a zone dog problem here. Here, doggy, doggy. En plus, ça vaut la peine de repasser parce que la marchande a de nouveau des stocks. Ça se tombe, elle a des nouveaux trucs. On va aller voir aussi, tant qu'on y est. Tantôt, le jeu avait planté. Quand j'étais en combat, j'ai voulu déclencher un pouvoir et hop, ça a été le plantage. Première erreur, je ferai des save régulières, voiture, de ne pas être amputé dans la progression. Le search for Hammond leads you deeper into the zone. You are seeing things I've never told you about. Strange things. I have withheld certain facts from you. Because. À chaque fois que vous revenez, vous avez la sagesse du vieux. Farewell. Que vous êtes dirigé par un vieillard, ça me fait un peu penser à Tortue Ninja et maître, lui c'est Maître Splinter en fait. Voilà, il vous explique à chaque fois, il vous fait une petite. Ouais.
Hey, what can I help you with? Later, stalkers. I was a stalker for 20 years. Until next time. Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Take it easy. Welcome to the Fix Pit. No, we don't give a stalker discount.
Take it easy. Ouais, voilà, on est bon. On va y aller comme ça. Sur la fiche, je m'en sers pas pour le moment. Celle qui est la moins bien stuffée. Voilà, comme ça les grenades ont plus d'effet. Petite save ici, on va faire une nouvelle. Voilà, on est parti. On va directement revenir au serpent de fer, comme ça on se tape pas la phase à l'arche. Et en avant. Voilà, mieux armé. On a amené maintenant, il a un sniper qui tient la route maintenant. Parce que là on avance, les levels suivent, donc là on sera plus trop bloqué comme au début du jeu où j'avais un peu galéré le premier jour. On a toujours un temps de galère, hein. Les premières sessions c'est jamais simple. Un petit instant. Et moi, j'ai reçu un message, je réponds vite. Voilà, excusez-moi. On met le chat, on est bon. Allez, on reprend. Voilà, la map est quand même assez bien étoffée, hein, c'est assez bien foutu. Plenty of treasure waiting to get picked around here. I feel it in my feathers. Champ de métal. Ok.
guys, look over there in the really big ruin. Someone's in trouble. Stay away from me. N'empêche, cette strat marche bien de tu bourrines l'adversaire avec la charge du sanglier et après vous l'avoinez jusqu'à ce qu'il... Vous avez 2-3 tours avant qu'il se relève. Ce qui fait que vous pouvez lui tirer dessus sans qu'il puisse se protéger ou se défendre. Et ça marche divinement bien. Check out that... Thanks for the help. Not that I needed help, I was just getting my second wind, you know, but... Ah, oh, c'est une femme, là, la... Ah, c'est la renard. C'est... Ah, c'est bien elle que j'avais vue sur la photo... du shit. Ah, ça va être notre cinquième perso. Whatever that means. Hey, we're some straight up... C'est une femelle renard. That's how we roll. Et qui a un petit cache-œil de pirate. The name's Pharaoh. Don't ask me where I got it from. I don't quite know, really. I was raised in a settlement. Thought it was the only settlement left on the whole wide world. But meeting you lot makes me feel a bit more, well, hopeful. Who are you? What are you doing out here? We're stalkers from the Ark. We're headed south to rescue our friend from some lunatics called the Nova Sect. Heard of them? You're asking me if I've heard of the Nova Sect? Mate, the Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind-controlled junk into the rest and led them away like cattle. I'm the only one that got away. So yeah, I know the Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. We need a fighter like you on our side. If you help us save our friend, we'll help you take down the Nova Sect. Pharaoh fait partie de, bah de notre groupe, super. Ça va vite quand même pour les recruter. The
Zone subjects are developing faster than we could have imagined during our journey. Yeah, yeah, prize time. Armure de police, oh, stylé. J'ai mis un gilet de la police. Le canard policier. Oh merde, il a assommé Dux. Bon, c'est pas grave. Ça va pouvoir aller. You cannot escape the law. That hurt. Not gonna warn you again. Thank you.
hearts. Emergency assistance. Oh lol. Il a tasé le cochon. Here, buddy, let me help you. Comply.
I did that. What do you think about that, huh? Je savais pas si c'était bon de faire un combat avec eux comme ça. Que réussir à être discret, c'est un peu. Mais bon, voilà, j'ai eu l'avantage assez facilement au final. Overwatch. Smells like fertilizer. That Novasec base, the Spear of Heaven. I think it's up ahead. Probably. Okay, pour poursuivre la mission, c'est par là. Et sinon, on va terminer l'exploration. Bon, j'ai quand même envoyé un soin, mais c'est pas grave. Hein, ils sont là pour ça.
that hurt. Stay away from me. Area for process. For your safety, all quarantined citizens must stay within the quarantine area. Experiencing symptoms, report them to the nearest police pod. Guys, come here. Looks like a place you get processed in. I'm not a number. I'm a free duck. Yeah, I did that. What do you think about that, huh? Come on. Now boarding for... The time is 6:19.
Look at those ruins in the distance. They call that the Forbidden City, right? Creepy place. Hope I never have to go there. Tiens, on va aller voir la... nouveau perso. Ok. Je pense qu'elle est plus faite pour manier les... fusils à pompe, elle. Commence avec un boomer, donc c'est shotgun ça. Donc c'est une petite renarde. Il y a un loot que je ne sais pas aller récupérer parce que... bah parce qu'en fait l'ennemi est monté sur un endroit où je ne peux pas monter moi-même. Donc... Thank you.
ça va bientôt s'arrêter là, je vois que le temps a envie de passer. Une petite pause et puis je vais sûrement après aller jouer avec le père mécanique. Enfin, ça dépendra ce qu'il fait de la soirée, là je vois qu'il est en live. Ça vaut le coup de les affronter ces deux-là, ils gardent rien. Je cracherai pas contre de l'XP, mais est-ce que c'est... Ouais. Bon, on verra, on sait qu'on en a deux là. On viendra se les friter plus tard si besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où ça nous mène, le prochain chemin. Est-ce qu'on peut consulter la carte ? Ah, on peut se directement faire un voyage rapide. Et moi depuis le début qui m'amusait à me taper toutes les bornes à pied. Donc on est là. On peut aller là. Vers le serpent de fer que je veux aller, c'est aller vers l'autre zone, comme ça j'explore. C'est parce que j'ai pas énormément de grenades EMP et j'aurais voulu me les garder pour une autre occasion. En tout cas, le jeu avance vite, hein. On a quasiment presque tout acheté, l'arbre des compétences. Là. J'ai failli partir sans ça, hop. Première fois que je trouve ce genre de bonus. À niveau 50 ici, d'accord. Take a chill pill, all right? If the voice wants to bring light to the zone, I'm all for it. His voice sounds true. His voice sounds convincing. Welcome to the Castle of Light.
Forgive me for not providing the illumination this castle is known for. I pray that someday we will once again become a beacon of light for weary travelers. Greetings. We heard your voice in the zone. Are you Lux? Lux, I am. You say you heard my voice in the zone? Ok, c'est lui qui fait des grosses voix à certains moments qu'on entend depuis le début. You here. You look strong, well armed. You get things done, yes? Hells yes, we're stalkers. We take everything the zone throws. Ils ont même fait une synchro labiale sur les personnages. Le canard, quand il parle, on voit son bec bouger. There is a pack of renegade ghouls who wish to keep the zone in darkness. They stole the key to the sacred sanctum, where the lights get their power. Perhaps you can help me recover this key from the ghouls. It's a special key. You wouldn't miss it. Return it to me, and I'll reward you handsomely. I like handsome rewards. We'll deal with the ghouls and get your keys. Ok, il nous a proposé une mission. Il faut déglinguer des ghouls pour empêcher, pour pas que sa zone soit dans l'obscurité, et on sera généreusement récompensé. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. On continuera demain, sans faute. Voilà. Je fais deux petits lives de 2 heures aujourd'hui, parce que là c'est un peu particulier ces derniers jours. Voilà. Il commence à faire un peu chaud, donc je fais gaffe. Et je vais aller voir si le père mécanique fait un truc ou pas. Il y aura peut-être des streams, en multi Twitch. On verra. On est encore en train d'en discuter. Voilà. Bah sur ce, je m'arrête là. Voilà. M'arrêter ici. On s'est un peu fatigué aussi un peu. Je vais voir comment. Il est quelle heure, prof? Allez, je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et à plus pour le prochain live. Allez.